Non. Et chef là. Ouais, bon, il faut parler pour chef là. Boss là. Qui chef là? Chef là. Oui. Si je ne veux pas que 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 je ne veux Zami fidèle mwen yo, gen yon bagay kap pase nan peyi d'Ayiti, gen yon pe moun ki neglije sa, men mwen menm, mwen vin pale la, parce ke l'Etat nan irresponsabilite l, e nou menm ki gen mikro nan men nou, nou se pase pale parol la, fòk nou ba yon kout men. Nou remake gen yon pil ti jen ki ten la ria, Len gade nou pa wè yo anko. Est-ce que c'est l'État qui prend yo? Mete yo nan sant, yo encadre yo? Est-ce que c'est yo ofenina qui prend yo? Est-ce que tout c'est Frère Lixon zone pa fè moun qui prend tout si moun ki te nan la ria yo encadre yo? Mais non. Te gen pil si moun ki nan la ria. Il dit que yo nan la ria et mande a mande. Y a aussi une machine. Mon appel est humilié yo. Yo obligé chercher un groupe gang. Yo entré. Et même si yo et pas même qui allait directement, mais gang non passé. Yo offre l'argent, offre aux armes et puis yo prend yo. Ça m'a dit là, c'est vrai oui. Sous quoi menti? On a regardé yo petit monde, yo miné. Nèg vite l'homme yo prend petit monde ça. Yo entré dans gang. Fais-moi un exam, tout bagay. Est-ce que nous rappelons une vidéo qui t'a cyclé longtemps? Tu as un petit monde qui a 11 ans, il t'a battu les iso, il t'a un gros âme dans le mail, 11 ans qui t'ont galil, aux âmes fun fois, et je me crois tout si tu as mis des âmes sous full automatique, la gué force, pour que mes âmes soient tirées. Un petit monde. Eh bien, je dis à la, je dis à chercher un petit monde pour mettre dans la gang. Yo fait ti moun sa yo apprendre tirer ke mes armes pour faire zak malhonnête. On a regardé au ti moun. Yo kembe nan gang crase barrière, gang vite l'homme là. Elle dit lui-même c'est pas lui avec volonté pas qui t'a décidé entrer dans gang. Mais plutôt c'est bandi qui prend. On a regardé après ça, m'a tourné. Ça vit comme ça, mon amour. Mon boss, Vidéo ça ou sont gardé là nous wè ti gason en chita yo minote te gardé do parce qu'elle sont ti gang vle ou pas la vie avec un pantalon bleu marin sous lit ou en jeans ou ti maillot bleu et rouge et lui même lui dit c'est pas lui qui décide d'entrer dans gang là elle s'est menté s'il t'a dit nous qu'elle pas moi exam qu'on connaissait menti il fait mais là le moi exam là
Pas amener qu'on a été là et puis tout yo relé, il dit pas ça pour lui et pas amener ça pour porter ba yo. Li pas amener pour ba gang yo. Et puis tout lui dit encore, li pas qu'on touyer moun. Non base là c'est prêt au prendre. Eh bien, c'est tout ce monde ça au l'état négligé qui vient entrer dans gang jojo dia là, qui va le plus méchant, qui va le plus cruel que vite l'homme de me sauver. Parce que gonzo mi tete zo bagay moi obligé ba zami sa rezoul. Li te di izo ti la pli le mo san jou nek sa se yo costume ke oyé immédiatement ou tire izo vite l'homme le mo san jou et ou tire barbecue ti la pli même chef la ou même base là après tire costume sa kite sou nek sa yo yo mete sou l'autre moun ka vinn pi kriyèl pi méchant. Ou met tire tout nèg yo a gon l'autre moun ka vinn remplacer yo. C'est ça fait dire nèg yo son costume yo et pas nèg yo gang nan mais plutôt attaquer tête sous là au lieu na aller nan bassin. Comprenez bien oui. L'obézé touye on pèbois ou bien déraciné on pèbois et pas brancher pour couper. Aller nan racine nan. Chakel déraciner. Laisse ça pour détruire. Immédiatement, on va aller tromper bois, couper. La boîte ne pousse encore. Il y a un petit monde qui quitte la rue avec ses machines. Qui a demandé. Qui connaît devant ma quête. Chan masse. Ou pas encore. Ce n'est pas l'État qui peut encadrer. Ce n'est pas nous qui allons aller. Mais c'est dans la gang qui est entré. Là, nous, frère Lixon, nous n'avons pas fait travail ça. Prends un petit monde dans la rue. Encadrer, mettez l'école. Mettons nous offrir dans quel gain dans fondation ou même qui gain moyen ou t'as supposé voir l'argent par Félixson pour occuper petit monde ça yo chaque grain petit monde qui en dedans dans fondation frère Félixson donne pas faire monde non gain mettre dans main yo y a l'école yo manger ou t'as supposé encadrer Félixson avec tout petit monde yo encourager le fait travailler plus bien ba côté pour rester avec yo pour qu'a prendre plus petit monde toujours. Parce que travail frère Lixon John pas fait mon affaire là, c'est travail l'État qui a supposé faire. Mais il y a un peu de monde qui va comprendre. Quand il y a là, même temps de journaliste, Luko Désir, dans Maté Débat qui dit, Bandi yo itil pays ya. Parce que Bandi yo, yo kreye gou gang yo, yo parti jeune fille, jeune garçon qui tenait la ria qui a demandé si yon machine, yo ba yo, 15 000 gouttes chaque mois. Ça veut dire là, bandi yo kreye gou gang yo, ben moun travay, kebe zam kebe nan men yo, al kidnappe moun, detenir men camion. Ça, son travay, c'est yon aide pour Luko Désir, bandi yo ap bay peyi an kout men. Tande oui, un journaliste ka pale ki gen miko kebe nan men, ki gon gang écoute sou Bande FM nan, ki di bandi yo aide peyi a, yo mette travay. Il va gagner 15 000 gouttes les jeunes qui entrent dans gang. Kounya là, si j'ai un garçon capitaine D émission matin débat qui devant ma caisse 2000 cap sié machine cap mandé chaque monde qui sont dans maquette là. Si j'ai un garçon qui sous chaîne masse là cap mandé cap badle ou faire bé. Là entendé dans bouche Luko Désir cap faire promotion pour gang. Jeune gars sa yo, yo va chercher un gang pour entrer et mais c'est même ça encore qui prend le bail pays à problème. Là on est campé dans radio la petit pays, la petit bagage ça sans réfléchir. Moi même en tant que commissaire gouvernement, on ta sectionné pour plusieurs mois pas prendre micro parce que on fait une promotion gratis pour gang yo. Un jeune qui finit l'école qui fait faculté qui allait dans l'université, qui tendait un journaliste, qui a fait une promotion gratis pour gagner, qui a fait lui-même qui a un diplôme dans 1000, pendant un mois, il a même entré 5000 gouttes, allez voir pour 15000 gouttes, qui tendait le code de Zabdi Baïsa, il a résilié, entré dans la gang, peut-être laver le quartier, peut-être
la retan dans base là fait manger laver pour gang là la gagne espoir 15,000 gouttes chaque mois. C'est ça oui. Le code des Japonais là. La encourager ti messieurs yo ti madame yo entrer dans gang. Tant que ti moun ça l'a regardé à un miné, on ti moun qui a sous l'école qui a fait 2, qui a fait 3e, 4e année. Mais bandi yo prend. Yo utiliser. Rend le service à l'acheter de l'eau, acheter manger. Les amis là té arrête d'ab petit jeune garçon ça, prend zam nan pote pour yo. Tendez bien oui. Ti garçon ça regarder là. Li nan gang à l'âge lié là et l'on gang qui vraiment puissant qui se chef gang vite l'homme crasé barrière la presse arrête elle et lui dit comme ça lui-même il veut contrôler moun main zam c'est pas zam ba li pour faire opération mais c'est zam qui connait à terre le bandit dit pas zam ça pour lui et puis tout lui prend le porter ba gang là un petit moun qui t'a sur l'école un petit moun qui t'a sur les parents parents ignorer petit moun yo yo nan la ri et puis bandi yo li même yo prend yo encadrer yo et me dit encadrer yo mettez dans gang yo influence mettez dans gang puis devant les petit moun sa fin bonnet dans gang là c'est yo prend ki mon zam Galil ke benan men yo pour ka faire kidnapping tuer moun détourner camion l'état irresponsable comme l'état négligé petit moun yo dans la ri a bandi yo apprend petit moun yo fouiller yo dans gang là pour renforcer gang ça. Et si moun sa lè gen 4 5 ans dans gang là, li pran un criminel parce que l'état pa bal importance bandi li même. Yo bal importance, yo fouye la gang, je jodi a la pa ki bezam. Lèm di nou l'état fay avec mission nou pas se menti. Lè nou e frè li son zan pa fè moun soti nan la ri, li pran 2 3 ti moun li encadre yo, c'est pour nou bat bravo pour li parce que ti moun sa demain s'il te ka gang. Mais li encadre il. Si ça fait les frères, ils sont 10 zones pas fait moun. Etant donné frères, ils sont 10 zones pas fait moun, ils sont ici les cités soleil, ils même li pas gang. Parce que les parents, ils ont levé de façon, ils sont chrétiens avant tout. C'est eux qui fait qu'ils disent, zone pas fait moun. Immédiatement, autour de ti moun, ils sont ici les soleil, un jeune garçon sont ici les soleil, ou pas faire confiance. Ou pas penser son gang li ont ils volé. C'est eux qui fait que frères, ils sont 10 zones pas fait moun, et ils font fondation. Marcher pour ti moun dans la rue, dans le ghetto, encadrer yo, mettre l'école, ba au travail, pour qu'à devenir un bon moun dans la société, pour moun ne pas garder avec mauvais jeu. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission, pour m'ka vin traiter un autre dossier, et là, tu continues à encourager moun ka faire bien dans le pays. Chaque grand ti moun, frère Lixon, retiré dans la rue, c'est un danger. Lui épanier avec pays. Malé, rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire traiter un autre dossier. Dans l'intervention, ça, et par la suite, il y a à Kentonville qui était traversé en République dominicaine puisque il était sorti victime, il était pris soin et la police, bon côté panneau, a mis Interpol derrière lui jusqu'à ce que nous connaissions comment ça a été fini. Autorité dominicaine ont été déporté et que ils ont remetté à la police haïtienne. Moun ont été mobilisés au niveau de commune Belader, ils ont pris la rue, ils ont manifesté, ils ont bloqué et mobilisation ça a été paralysée pendant un bon petit bout de temps. Route principale commune a été gagné des conséquences sur la frontière haïtiano-dominicaine au niveau de Belader. Nous autres, nous t'es limé projecteur nous sous Belader, nous t'es venu bon matin pour nous regarder par rapport avec notre la police là, par rapport avec comportement mounio qui sa bagaille là yé. Et nous t'es fait analyse par nous pas besoin retourner sous lui encore parce que nous t'es estimé le t'es important par rapport avec conséquences ça t'es venu gagner sous pays à parce que gagner de entreprises, gagner de industrie notamment dans le secteur sous-traitance qui dépendent directement de frontières ça puisque gagne un conteneur qui a passé la nuit qu'on la journée matin midi soir pour venir alimenter une série de dans pays nous t'ai parlé de conséquences et puis nous t'ai dit mon Belader
et yo met tempo relax et quitter la police fait travail li parce que jusqu'à présent malgré toute faiblesse institution gagne mais yo était des institutions républicaines donc nous té ba au bénéfice du doute je dis quitter au fait travail yo et c'est certain n'té parlé avec un responsable au niveau de la police dossier a gagné pour lui transférer et au niveau de la justice il est ça la justice a va traiter et tout ça qui pour dire a dit tout ça qui pour fait a fait tout ça pour moun comprendre moun a comprendre yo moun yo effectivement guerrier Dieu seul après plus d'une semaine de mobilisation docteur accepté rentrer nan coquillo et puis permettre que la police et la justice fait travail yo même le yo té rete quoi que arrestation c'est une arrestation arbitraire et qui pas de gagner pour effectivement avec ça la police te mette sous dos moun yo interpellé comme accusation. Et puis du coup, moun yo te vin campé pour trêve puisque nous connaît frontière la li même li te fermé. On comprend et même yo te vin ou nécessité pour permettre que frontière la relouvre. Et bien par la suite guerrier de seul après moun yo fin prend décision ça de l'autre côté de l'île. Les autorités dominicaines yo même te fermé par eux. Et yo accepté, c'est vrai. Mon Haïti au fond posé mais yo même yo décidé fermé. Et au fait plus d'une semaine comme ça jusqu'à ce que lundi dernier nous quoi c'était lundi 28 août nous apprenons que frontière la frontière l'ouvri après ça il pas fait deux jours dans même jour il fermé c'est ton ouvre flop fermé flap maintenant gagne de monde au niveau de la société civile beladéroise qui te levé voyo pour dénoncer ça qui passé parce que yo estimé frontière là qui fermé li son coup dur pour un bon parti dans pays particulièrement dans plateau central parce que nous te dit ça en le son frontière qui très stratégique côté lié et par rapport avec bus discap fait sous point ça li permettre gon paquet l'argent qui boissé sont un beau parti dans le pays, notamment plateau central et Grand Nord. Fermé pendant 11 semaines, ils voulaient un paquet de bagages pour l'économie des deux pays, que ce soit l'économie haïtienne, que ce soit l'économie dominicaine, Reginald Robertson. Nous songeons, il y a deux seuls, nous recevons dans l'espace Sala, ancien député Gershon Guirard, qui lui-même est monté au créneau pour dire que mais ça a comme information et que c'est l'État haïtien qui t'a mandé l'État dominicain pour fermer frontière là parce que tout simplement yo pa ta gen contrôle li ou bien tout yo t'a dit la République dominicaine c'est des bandits exam qui habitent zone ça et que yo pa gen contrôle li pour arriver jusqu'à frontière là donc de ce fait yo t'a mandé l'État dominicain pour fermer frontière là purement et carrément et nous t'ai pris déclaration pour saluer à Reginald Robertson mais avec bien entendu on certain attention s'il vous plaît puisque c'est pas un simple citoyen qui dit c'est un ancien chef un ancien et parlementaire mais un peu plus tard la presse dominicaine t'a pral confirmer propos ça yo que député ou bien ancien député a tenu et pas seul monde qui t'est parler comme ça, tu as de l'autre monde tout, que ce soit au niveau de zone ou bien Port-au-Prince, qui était allé dans le même sens. Nous même dans la fin semaine qui s'est passée, nous avons allé feuilleter quelques journaux dominicains pour nous regarder qui ça la presse dominicaine yo même dit par rapport avec situation frontière haïtiano-dominicaine au niveau de Belader. Qui ça nous joigne Reginald Robertson par exemple nous prend deux journal nous quoi gagner Listin Diario et puis gagner El Nuevo Diario bon pas vraiment pas trop bon on est comme Gerson Philistin a plus ou moins comprendre moins qui ça qui dit dans un premier temps si nous prend article qui était sorti dans fin mois août là ou bien fin semaine qui s'est passé à là dans colonne journal Listin Diario sous question ça li titré commerçant Elias Pignayo mandé gouvernement pour mettre l'ordre
dans la frontière. Donc là, parler avec le gouvernement, la CAIO. Commerçant dominicain, lance un pinga contre ça ou ta carrelé existation plan entre groupes qui ont intérêt pour mettre en faillite commerce formel là, en façon pour capable établir un système frauduleux sous frontière là. Association Machan Exportation El Carisalio, Elias Pignard, demande au gouvernement pour établir l'ordre dans la frontière pour capable garantir stabilité commerce binational avec Haïti. Gen un monsieur qui est Rudy Antonio Peguero Tejeda, monsieur c'est responsable numéro 1 syndicat association commerçants dominicains qui déclarait autorité yo kembe commerce binational là non état de trouble jusqu'à ce que au capable dit yo mette en faillite des entreprises dans secteur exportateur de diverses marques locales. Frontière l'ouvri et puis le fermer ça pas gain aucun préavis. C'est ça ta l'un d'après les ouvri flop fermer flap là. C'est ça Peguero Tejeda lui-même li déclaré pendant le souligner ça crée une crise dans commerce binational là. En plus situation affectée des centaines de commerçants et puis gagne un impact négatif sur entreprise ak industrie dominicaine yo en raison de ça relé enchaînement que échange commercial avec Haïti yo créé. N'a traversé une série moments difficiles avec commerce ça qui fermé. Nous gagnons une perte de millions de dollars américains en légumes, en saucisses, en farine de blé et en d'autres produits périssables. C'est ça, homme d'affaires lui-même lui expliquer pendant le souligner que il était en détresse depuis pratiquement un mois. Dans ça, syndicat demandé intervention président Luis Abinadel pressé. Commerçant dominicain mettait en garde souvelé contre existence en plan nous dit ça en groupe qui t'a gain intérêt pour faire commerce formel là les mêmes il fait faillite et puis pour mettre un bagage en battable pour bagage contrebande souvelé sous frontière. Syndicat dit lui-même yo gain bon gens information en main yo que gain un document et dans document ça gain de grands commerçants haïtiens qui mandé ministère haïtien de l'économie et des finances pour exercer un contrôle rapide dans différents postes frontaliers entre deux pays dans l'idée pour suspendre temporairement importation en Haïti par voie terrestre de toute marchandise. Ça c'est article qui paraît dans colonne journal Listing Diario. Maintenant un deuxième journal que nous te prend Reginald Robertson qui lui-même venait avec information que tu fait en pile parler notamment dans pays d'Haïti pendant jeudi avec vendredi qui se passé là et c'est El Nuevo Diario lui-même qui écrit article ça un article qui sorti en bas coup de plume au journaliste qui est Fredis Hernandez qui ça article a dit Reginald Robertson article a dit ministre défense là ratifié fermeture temporaire poste frontière souvelé Elias Pignard. Ministre défense là il a parlé de Carlos Luciano Diaz Morfa, les ratifié fermeture temporaire frontière qui trouvait entre Elias Pignard pour la République dominicaine et Belader pour Haïti. Ça a eu les postes frontaliers El Carisal là et raison c'est parce que le concerné selon journal là sécurité nationale. Donc parlant de sécurité nationale, il a parlé de la République dominicaine. Au commandement militaire là, t'es ba information ça. Dans moment, yo t'a présenté en conférence pour la presse dans local corps spécialisé pour sécurité frontière terrestre, CESFRONT, en présence on série autorité avec on série commerçants qui dans zone. Gouvernement dominicain by l'ordre pour fermer pour un petit bout de temps poste frontière El Carizal là dans province Elias Pina après autorité haïtienne yo te fin informer l'état dominicain que te perdu contrôle installation immigration ak douane yo. C'est ça Dias Molfa lui même li déclaré et n'a parlé de ministre défense République dominicaine responsable a déclaré
L'ordre ça t'est venu sous instruction président République là, Luis Abinadel, jusqu'à ce que autorité haïtienne eux-mêmes yo vinn reprendre contrôle l'installation yo di yo perdu ya, on série de installation selon journal là qui t'a nan men bandi exam au niveau de Belader dans pays d'Haïti. Dias Molfa expliquait tout que l'ordre pour fermer frontière pour on durée que pas bail là, li vini après on demande bien formulée par les autorités du pays voisin, la parler là d'Haïti. Chef militaire là allait plus loin pour dire demande ça à tout pour le répéter tête li vini, il persistait sous ça, c'est parce que autorité pays ça yo perdu contrôle toute installation qui grand pour avec douane avec immigration sous zone là et j'en de dit tout à yon série installation qui t'a trouvé dans men nèg exam dans men bande armée ou bien groupe gang tout carrément. Nous pas négocier avec gang haïtien. Et tant que gang armé yo contrôlé important passage frontalier ça au niveau de Belader, nous même nous pas autoriser passage ni pour moun entrer, ni pour moun sorti, ni pour camion entrer, ni pour camion sorti. Il y a parlé là de camion qui a transporté marchandises. C'est ça ministre dominicain défense là, n'a pas le ministre défense dominicain lui-même, il était déclaré dans conférence pour la presse ça s'il fait journal El Nuevo Diario confiance. Tandis que commerçant, journal là qui conclut comme ça, qui chuté comme ça, commerçant dominicain El Carizalio t'a demandé gouvernement pour mener une enquête en profondeur pour connaître est-ce que gouvernement haïtien a dit la vérité à savoir installation douanière avec immigration dans niveau Belader yo ta sous contrôle en série de gang armé. N'ta li là deux articles ou bien m'ta essayer traduit deux articles qui paraît dans la colonne de deux journal ça yo à savoir Listin Diario et El Nuevo Diario. Moi parler avec un ministre au niveau du gouvernement haïtien. C'est un ministre qui est très concerné par rapport avec dossier ça. Par contre, s'il autorise me citer non, mais moi parler avec un ministre jeudi. Ministre semblait pas t'attendre des radios, ministre t'a dit est-ce que nous t'ai traité un sujet comme ça matin qui concernait en communication que l'État haïtien t'a fait avec l'État dominicain pour mander fermer frontière Belader là. Me dit oui, nous t'ai parlé d'un bail comme ça avec député ou bien ancien député Gershon Guérard, mais ça qui dit Et puis ministre l'a dit très gentiment hein, nous échange très cordial. Il dit comme journaliste, est-ce que moi mandé député a un côté le joindre information ça yo et deux pour t'a partager avec moi des documents qui capable prouver que l'État haïtien t'a formulé on telle demande. On dit bon, n'a pas parlé là d'un ancien député et monsieur le ministre. Et deuxièmement, député a dit et quelques minutes plus tard la presse dominicaine parlait de lui. Donc c'est pas moi comme journaliste qui pourra demander ou prouver ça veut dire d'autant que yo reprendre les propos d'un officiel dominicain qui c'est le ministre dominicain de la défense. Il dit ministre maintenant, il revient au gouvernement haïtien pour porter un démenti. Ou bien si gon baï qui t'est dit vrai pour clarifier ça que t'est dit là en façon pour capable assurer population haïtienne d'une façon générale mais assurer tout monde qui concerné par frontière ça, que ce soit moun Belader mais que ce soit tout ensemble de commerçants Port-au-Prince et dans l'autre ville de province qui habitué à faire des transactions au niveau des frontières là, soit dans l'acheter marchandises en République dominicaine, ça dans l'acheter sous frontière à chaque fois qu'il marché et la trier. Donc c'est gouvernement qui pour sortir notre lit qui pour dire ça n'entendez qu'a dit yo c'est pas ça yo yé. Et si bon bagay effectivement qui t'est dit mais qui s'allie. Mais en jeudi, l'homme t'est parlé avec ministre Sama Djoulala Reginald Robertson, ak jodia pa gen aucun note qui sorti bon côté gouvernement. Si bon note moi même pas connais.
Mais on dit c'est en rumeur. Mais la rumeur là est persistante et que le susceptible a créé panique dans la population, le gouvernement a intérêt pour le sortir notre lit. Même j'ai ça qu'on fait avant. À part les fake news qui mettaient le gouvernement dans une situation inconfortable, si vous voulez, dans une situation difficile, nous avons soit ministère commerce, pas commerce, pardon, ministère communication, ou bien institution dans l'État que la concerne, ils sont son note. Si c'est la primature, ils sont son note et la trier. Donc pour démentir si ça cap circuler, mais c'est même gens. Si il y a des informations comme ça qui d'après nous-mêmes gravissime, mais nous allons l'expliquer pour qui ça tout à l'heure, qui a circulé, qui vient faire que you wè autorité yo très mal si effectivement ou ta formulé on telle demande. Maintenant, c'est pas moi-même comme journaliste qui pral mettre en doute ça qui rapporté dans la presse dominicaine yo. OK? C'est pas moi-même qui pral mettre en doute sa ministre défense dominicaine lui-même l'idio. Qu'il y a ce gouvernement haïtien qui gagne responsabilité pour le rassurer peuple, pour le rassurer citoyen, pour le dire, rete tête frette, ça n'entendait à c'est pas ça lié et si bon bagaille